c'est Stéphane de l'école de Kachaya. Donc alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous allons foncer à la salle de Lyon-Villeurbanne et nous allons aller rencontrer un élève à nous qui est là depuis quelques années maintenant, 2-3 ans je crois, et il nous en dira plus. Son nom est, étant Tornado Kid. Voltigeur, futur espoir et futur grand voltigeur. C'est tout bon, on est parti. Pour la sortie et les correspondances, venez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Et je suis avec Coco, l'un des premiers petits loups de ECA. Bah, il fait bien froid et vivement ce soir les pancakes. Tout de suite, on se retrouve dans l'action avec Tornado Kid. Voilà, on va être d'accord. C'est un combatif, Tornado. Yes, c'est fluide, bravo les gars. Ça fait combien de temps que t'es ECA, Tornado? Ça fait 2 ans et demi, là. Ça fait 2 ans et demi? Ouais. Et qu'est-ce que t'es venu chercher chez ECA? Je suis venu chercher, bah, déjà, pouvoir faire du catch. Ouais. Pouvoir faire ma passion, quoi. D'accord. Chose que j'ai trouvé, d'ailleurs. Chose que j'ai trouvé. Oui, c'est ça, j'allais te demander qu'est-ce que tu y as trouvé. Et bah, tout ce que je cherchais, et même plus, d'ailleurs. D'accord. On voit ici, voilà, le groupe. La famille ECA. Retiens bien sur les bras et rentre la tête. Ouais, voilà, bravo. C'est bon. Petit contretemps, mon amour. Ouais. Et en deux mots, ton parcours dans le catch. Alors bah, j'ai commencé avec ECA, ici même, dans cette salle, il y a 2 ans et demi. Et puis après, j'ai pris la formule longue durée de 1 an. C'est 5 stages répartis dans l'année, plus les cours de Villeurbanne. Et voilà, donc un stage, c'est pendant 1 semaine. Le fait de faire venir un catcheur du circuit français ou même international des fois, ça amène beaucoup de choses. Et depuis septembre, donc depuis 2 mois, j'ai commencé à faire mes premiers galas. Bonjour, c'est Benjamin de l'école de Kachaya. C'est pour mon copain Lionel. Allez, voilà. Allez, on le refait dans la foulée, bien fluide. C'est comme ça, allez dans la foulée. Yes, ça va les gars? Allez, on la refait, c'est bien. Voilà. Ouais, parce que Tornado, il a dit que t'avais rien dans le sac. Avec les États-Unis, ça t'avait ramolli. Ouais, c'était pas mal. C'est pas grave. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut que tu renvoies les gens, mais toi, tu étais prêt. Donc pour l'aider, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un travail à deux, hein. Bravo le porteur, bravo le colibri. Et
Mais je te connais, t'es le mec à la trompette. Trompette qui t'as une trompette là. C'est pas bien de voler les prises aux copains. Et un mot de la fin à ceux qui voudraient faire du catch. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah déjà, allez dans une école de catch. N'hésitez pas à franchir le pas. Franchement, même moi au début, j'avais un peu peur. Puis très vite, j'ai découvert en fait c'est comme n'importe quel autre sport. On y va, on est très bien accueillis. Et en plus, vous ferez de super amis parce qu'ils auront la même passion que vous. Ok, merci Tornado. Il n'y a pas de quoi. Comment il t'a manqué de respect? Je fais comme dans Malcolm, tu l'attends. Je vais juste reculer un peu plus. Hein. Toi, rigole pas. Et c'est pour ça qu'en France, nous avons un des permis les plus compliqués au monde. Pour essayer d'éviter le plus possible ce genre d'anomalie conceptuelle. Moi, j'aime bien les cours de catch. C'est bien, on s'amuse bien et on chute beaucoup. Vive le catch, vive le CA. Catch, catch, catch.